Bonjour. Alors, je vous ai donné devoir, page 65, numéro 1. N'est-ce pas? Bon, numéro 1. Bien sûr, j'espère que vous avez étudié la règle de l'accord du participe passé. On a expliqué bien ça, comment faire l'accord. Ça nous profite ici dans les exercices. Bon. Complétez les phrases ci-dessous en vous aidant de la liste des mots suivants: touristique, photo, pittoresque, folklorique. Alors, je veux continuer les phrases par l'un des mots de ces quatre mots. Faites bien attention. On a touristique, peut-être avec S, peut-être non. On a entre deux parenthèses. Photo, peut-être sans S ou bien avec S. Pittoresque encore. Folklorique encore. D'accord? Je veux faire l'accord. Si le sujet a le nom qui précède l'un de ces mots est au singulier, je ne mets pas S. S'il est au pluriel, alors je mets S. On va faire l'accord. On va voir maintenant comment. Le catalogue a pour but d'inciter au voyage et à l'évasion. Le catalogue, ici, c'est masculin singulier. Alors, le mot que je veux trouver ici, alors, doit être au singulier, hein, sans S. Qu'est-ce que je veux mettre? Ou le catalogue photo? Non. Le catalogue touristique. Le catalogue touristique. Chaque touriste va prendre un catalogue. Quel c'est le catalogue? Ou bien tu y as un matar, marat, fil, bled, siyahiye. Tati catalogue, la c'est al matar. Pourquoi le catalogue touristique? Pour quel but? La chou, chou hadafo, a pour but d'inciter au voyage et à l'évasion. Bécherger à la safar ou à tanazzuh. Il cherche donc à séduire les lecteurs. Il présente de nombreux, à qui de nombreux en couleur des lieux. Yani, eddetchou, ishyam ou amekin célèbre, mashhoura, de nombreuses photos. De nombreuses photos, hatat la est pourquoi? La de nombreuses, nombreuses, yani, muta'addid, pluriel, plusieurs, fa'ezan, ou nombreuses avec s, fa'ezan, haydi féminin, singulier, ou n'hamna'af, nos photos, hi féminin. D'accord? Et des traditions. Et quoi? Et pittoresque. Pittoresque. Comment j'écris pittoresque avec S? Là, nous avons que des lieux célèbres et pittoresques. D'accord? Des traditions, choubéandé, folklorique, akid, là, nous avons dit qu'un tourasse folklorique. Folklorique avec S parce que des traditions folkloriques. Des traditions, faisant féminin pluriel, alors folklorique avec S. Alors, des traditions folkloriques, des loisirs insolites. D'accord? On va faire le numéro 2. Faites bien attention. Justifiez les accords des termes soulignés. On a des termes ici soulignés. Je veux justifier les accords. Je viens justifier les accords. Il y a un masse à mettre les premières. Pourquoi on a mis S à la fin? Pourquoi j'ai mis ES, les chitanéens féminins, pluriel? Je veux dire. Menoul, choufou kif le modèle, awadchi, ou si le tarfou le baïe kif. Les premières automobiles, faisant les premières quoi? Automobiles. Faisant première qualifie automobile. Automobile féminin, pluriel, en andile. Nos automobiles féminins, à chaque tête première. Lorsqu'il y a des mots ici masculins ou les premiers. D'accord? Lorsqu'il y a des motos, les premiers motos. Lorsqu'il y a S bidoun E. D'accord? Faisant, je vous le dis, mettez
le cahier et le crayon devant vous. Écrivez les premières automobiles. Mettez les premières comme ça. Regardez comment. Je mets tout de suite une feuille devant moi. Une feuille, vous allez écrire sur le cahier de grammaire. Haïda, orthographe, vocabulaire. J'écris page. Bien sûr, avec le bic, vous écrivez page 65, numéro 2. Alors, Choubhoul, hot première. C'est quoi première? C'est quoi? Quelle est sa nature? C'est un adjectif qualificatif, n'est-ce pas? Awa shi ou adjectif. Nous savons que l'adjectif qualifie le nom qui le suit, d'accord? Ou qui le précède. Yani, masalan, atoul hou bikoun am yousuf l'ism li wara ou li ablou. Masalan, boul une jolie fille. Put une jolie, comme ça. Hek boul jolie. Jolie, comme ça. Une jolie fille. Lèche ha tête e. Parce que joli adjectif qualificatif qualifie le nom fille. Fille féminin singulier, alors je mets e. D'accord? Faisons. Première adjectif qualificatif qualifie quoi? Automobile. Léhiye féminin pluriel. Comme ça. Hek justification de l'accord. On commençait à circuler il y a moins de 100 ans. On commençait. Commencer, souligner. C'est quoi commencer? C'est un participe passé, n'est-ce pas? Participe passé, ou dars li shrahnah akhir marra, page 64. L'accord du participe passé. Haïda, verbe commencer, j'ai le passé composé, ma auxiliaire avoir, fais un choubou l'anno, haïda hou la halo. Kaida est participe passé. On commençait qu'il a ou verbe commencer au passé composé. C'est bon. Ben, commencer la hala hi participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. N'est-ce pas? Reste invariable. J'ai ma auxiliaire. Avoir, ma fille en a accord, ou elle a l'occurrence ma auxiliaire être qu'elle n'a même pas accord ma les premières automobiles, ma sujet qu'elle n'a pas un S. Là, non, pas de complément d'objet secondaire. D'accord? Mais elles ont, elles, ليش حطينا ال افيك اس؟ عن مين عم نحكي هوني ال؟ عن مين عم تحكي؟ عن لي فواتور او لي زوتوموبيل. ال سي ان برونون بيرسونيل، طبعا بدي احط الناتور طبعا اول شي برونون بيرسونيل. نسبا رامبلاس حلت محل مين؟ محل اوتوموبيل. Ou automobile, il est féminin, pluriel. D'accord? Achèque, hattaïna, elle avec S. Si profondément bouleverser nos habitudes que nous avons le plus grand mal. Alors, elles ont depuis si profondément bouleversé, souligné, yani je veux faire ou justifier l'accord. Bouleversé, عن مين نحن عم نحكي? عن مين? On bouleversé. مين les ont bouleversé? Ne jamais de jumelé. Les premières automobiles ont commencé à circuler il y a moins de 100 ans, mais elles ont depuis si profondément bouleversé nos habitudes.
مين لي بروميير زوتوموبيل؟ يعني السيارات القديمة أول ما طلعت إلى 100 سنة، ولكن اللي هن لي زوتوموبيل ont depuis si profondément من زمان bouleversé nos habitudes، يعني شقلبولنا عاداتنا، que nous avons le plus grand mal aujourd'hui. فإذا bouleversé هو participe passé، لأنه هي verbe en bouleversé participe passé conjugué مثل commencer. Ma amelna accord, bas hatayna un accent aigu, lèche, la nous conjuguer avec l'auxiliaire avoir. Min oul reste invariable. Bidal, ma bietrayer, invariable, ma bietrayer. D'accord? Ce que ce serait notre vie si elle devait disparaître un jour. À l'inverse de l'avion, du bateau et du train, qui sont des moyens de transport collectif. Moyens. Mais sont des moyens. L'avion, le bateau, le train, qui sont des moyens. Alors, moyens. Moyen ou moyen, là je mets un S, parce que on parle, c'est un nom commun, exprime quoi, min, hal mahal min, mahal, l'avion se rapporte à avion. Bateau et le train. عم نحكي عن هود الوسائل، moyen وسائل، من هن؟ L'avion, le bateau et le train. Moyen de transport collectif. Collectif. C'est quoi collectif? Moyen collectif ou adjectif, qualificatif, qualifie. Qualifie quoi? Transport. Qualifie transport. Mine collectif, moyen de transport, n'est-ce pas? Le houé, masculin, pluriel. Fais-en-t-il un S. Lorsqu'il y a transport, ou qu'il y a un féminin, qu'il y a un collectif, V-E-S. D'accord? C'est un masculin, c'est un FS. Avec des horaires fixes. Fixes. Pourquoi on a mis S à fixe? ES, quand même. Pourquoi? Quand même, c'est un adjectif qualificatif. Qualifie. Quand je dis adjectif qualificatif, c'est un adjectif qui parle de quoi? De les horaires. Qualifie horaire. Les hier masculin pluriel. عشانك حطينا اس. طيب بننزل لتحت بس بنبلش من اول الجمله pour savoir. Mais elle n'offre pas que des avantages après l'ère des pionniers puis celle de la voiture pour tout et pour tous et pour tout dont l'histoire est racontée plus loin. Faisant raconter. Raconter. Et raconter. Faites bien attention. Debout. Lèche hatayna umye la raconter. Raconter, c'est un verbe raconter. Faisant houwe ismo participe passé. Conjugué. Avec l'auxiliaire. Aïe auxiliaire andihon. Auxiliaire être. Quand un verbe au participe passé est conjugué avec l'auxiliaire être, alors je fais l'accord. L'accord avec qui? Qui est raconté? Dont l'histoire est racontée. L'histoire féminin singulier. فإذا لازم نحط هون أمية لتدل على الفيمينين. شو بقول؟ بقول s'accorde
هون لما بتكون مع الكونجوغي افيك لوكسيليير افوار نقول ريست انفاريابل ما بتتغير، بينما هون بتتغير. ليش؟ بتعمل اكور ساكورد افيك لو سوجي. وين لو سوجي؟ ليستوار. ساكورد افيك لو سوجي ليستوار او استوار اللي هي فيمينان سينجولي. D'accord? C'est pour cela on a mis un deuxième E. Hon hatta yana S, hon S. Hon dalet E miye, hon L avec S. Première avec S. Bon. Je continue. Peut-être sommes-nous aujourd'hui au début d'une nouvelle ère de l'automobile. Nouvelle. Nouvelle. ليش حطينا ال او زيادة؟ هي اصلا نوفيل ال. بوركوا؟ عن مين عم نحكي نحنا؟ نوفيل. كي كاليفي؟ كاليفي لير. اير عصر. عصر بالعربي هي ماسكولان مذكر، بينما بالفرنسي هي فيمينان. لير دو لوتوموبيل، لير عصر، اير فيمينان سينجوليي. فاذا نوفيل هي ادجكتيف كاليفيكاتيف. Qualifie quoi? Qualifie R. Léger Iwara. Qualifie R. Féminin. Singulier. D'accord? Bon. Dont la caractéristique sera une utilisation plus rationnelle de ce merveilleux moyen de transport. Une utilisation plus rationnelle. Rationnelle. Kamen zidna le. Pourquoi? Kamen nafsishi, c'est un adjectif qualificatif. Qualifie quoi rationnel? Admin rationnel. Amnehke an utilisation. Utilisation, c'est un nom féminin singulier. Alors, qualifie. Utilisation féminin singulier. D'accord? De ce merveilleux, merveilleux, quand même merveilleux, il y a adjectif qualificatif. Merveilleux, un moyen de transport. De ce merveilleux moyen de transport. Alors, c'est un adjectif qualificatif. Qualifie quoi? Moyen. C'est moyen masculin singulier. D'accord? Ou elle a la quelle figure à quel mais féminin singulier qui n'a elle merveilleuse. D'accord? هون merveilleux à tout et la x. مش تقول ليش حطينا x و هي masculin هي singulier. Merveilleux. Au masculin, au singulier et au pluriel, prend X. D'accord? Bon, j'espère que vous avez bien compris. Celui qui a une question peut me demander. Je veux vous donner une dictée à préparer pour mercredi.